nouveau follower vient de rejoindre la communauté. Salut Haru! Et oui les amis, j'ai été sélectionné. Je voulais le faire un petit peu à la Pascal Legitimus, tu sais, genre j'ai été sélectionné! Mais je me dis bon, voilà, on va éviter. Ouais, t'avais la bêta en fait qui était en présélection hein, via liste. Et pour la première fois de ma vie, j'ai reçu une bêta! Waouh! Donc quand tu vois que le Clear et Étoile ont pas eu leur bêta, je me sens muy famous ce soir, tu vois. Bah c'était chaud Haru, dis-toi, Leclerc il a mis un post, il a pas eu la bêta quoi. Leclerc quoi.
Je pense que pour la première fois, c'est pas. Ils ont peut-être pas sélectionné en fonction de la mouille fameuse des gens. On verra. L'important, c'est d'avoir des joueurs. On va pas se mentir. Je l'aurais eu avec ma chance. Mais ouais, tu l'aurais eu, mais toi, t'as une chance de cocu, mec. Incroyable, incroyable. J'avais absolument pas prévu. Pour vous dire, pour la petite joke, je bosse pas mal en ce moment. Tu sais quoi, on va se mettre en cam, voilà. On va se mettre en stream cam en attendant. Ah oui, je ne vous fake pas parce que regardez sur le Switch Game. Voilà, ce n'est pas un fake, hein, je tiens à le préciser. Non, parce que j'ai déjà reçu des messages, j'ai commencé à recevoir des messages sur Facebook. On me dit, ouais, t'es un mytho, tu fais ça pour le buzz, tu l'as pas eu. Bah si les gars, en fait c'est... Donc en gros, je t'explique un petit peu le délire. En fait, je bosse pas mal en ce moment, donc je dors beaucoup. En fait, je dors l'après-midi. Et là, je venais de me réveiller, littéralement. Hein. Je me suis réveillé il y a quoi ? Il y a une heure. Voilà, c'est pour ça que j'ai une tête dans le fond du slip, quoi, comme on dit. Et je regarde sur Twitter et tout. Putain, je vois des mecs, tu vois. Je vois Alpha qui sur Overwatch 2. Je vois pas mal de gens, en fait, qui sont en train de dire « Ouais, putain, j'ai pas eu ma clé. » Et je trouvais ça bizarre, parce que du coup, les clés, tu les reçois pas. C'est directement mis sur ton compte Bennett. Et je me dis, bah tu sais quoi, vas-y, hein, franchement ça me coûte que dalle, je vais allumer le PC et je vais aller look si j'ai la clé. Et là mec, tu sais pas, genre je regarde Overwatch, je vois Overwatch 2 Technical Beta, je suis waouh. Les gars, c'est épique ce qui se passe aujourd'hui, c'est épique, c'est monstrueux. Donc voilà, je suis content, franchement je suis grave content. Bon, attendre qu'il y ait un petit peu de gens qui arrivent. Mais voilà, mais regarde, en plus il est beau l'écran d'accueil avec notre petite Tracer. Notre cher Tracer, c'est magnifique. Sinon, comment ça va, Roux, toi ? Comment vas-tu ? Attends, je vais faire une petite annonce sur Facebook, quand même. Voilà, vous verrez, le stream sera beaucoup plus détendu. Attends. Hop. Ouais, le stream sera beaucoup plus détendu dès aujourd'hui. Bam, 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 bam. Putain, je suis content, les gars. Je suis content. En fait, ça reste un jeu que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Et je suis content. Hop, on va faire ça. Allez, n'hésitez pas à aller publier un petit peu le live. Parce que c'est vrai que là, avant, enfin, en fait, il n'y avait rien de prévu. Absolument rien de prévu. C'est vraiment le live lancé, tu vois, lancé sur le coup de tête, quoi. Tu vois, et c'est là que je me dis que j'ai une communauté dormante. On est trois. On est trois, les amis. On est trois. Waouh. Hop. Allez. On va faire ça. On va essayer de ramener un peu de monde avant de lancer ce live. Avant de lancer ce live. Oh, incroyable. Oh, merci mon bichon. Putain, et toi, tu gères de la fougère. Merci mon poulet. Ça me fait bien plaisir. Non, mais les vrais sont là. C'est... Haru, le mec le plus fidèle. Mec, t'as traversé tous les éléments, les fonds, les âges, tout. Enfin, c'est... Je sais pas, ça fait combien de temps que t'es follow à ma chaîne. Enfin, que tu me suis en général. C'est impressionnant. D'abord follower, puis pote, puis ami. C'est beau. C'est magnifique. Hop. Ah, ça arrive, salut les amis, salut les potes, j'espère que tu vas tout éclater. Alors là, mon gars, là, je suis moins sûr. Là, franchement, tu vois, je le teste, c'est déjà pas mal. Franchement, je le teste, on va découvrir ça. Attends, je vais faire un downscale. Putain, vous avez vu, ça a changé maintenant. Il y a le bordel, il y a les imprimantes et tout. Pff, mon dieu. Bon, ça arrive gentiment, c'est cool. On est trois. On est trois, c'est genre le mec, ça arrive gentiment. On est trois. Ouais, nous sommes trois. Bon, on va aller voir, on va lancer une game, on va bien voir. Alors, déjà, on va aller voir les héros. Alors, les héros. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Bon, pas de nouveaux héros pour l'instant, je ne crois pas. Si, attends, lui, non, Sigma était déjà. Pas de nouveaux héros, apparemment.
Pour l'instant, ils ont pas mis. Alors, les modèles, je pense qu'ils ont été un petit peu. Donc, on garde les mêmes modèles, mais chlorure. Voilà, il y a des nouveaux modèles. Alors, je pense qu'ils ont été revus visuellement. Hop, le classique. Non. Echo. Tracer, par exemple. On va prendre Tracer. Tracer. Alors, il y a des nouveaux modèles. Union Jack. Rose vif. Je sais pas, c'est pas flagrant. Ce jour, c'est pas un nouveau héros. Tu l'as vu où ce jour? Oui, si, bien vu, ce jour. Merci. Ça va, ma poule? Tirkos, dis-moi que t'es sur le jeu. Qu'on puisse grouper là, qu'on se foute en vocal et qu'on aille taper du bourrin là. Oui, ce jour, effectivement, ce jour, c'est un nouveau perso. Je crois que c'est un heal. C'est un heal, lui, de base. J'ai pas la bêta, mais j'ai encore. Ah merde, bah je te passerai mon compte si tu veux tester. Je te passerai mon compte. Ouais, Soyurn, un nouveau personnage. Je crois que t'en as 3 qui sont statistiquement prévus. Sigma, on connaissait déjà. Zarya, Winston, voilà. Bon, alors, déjà, ils ont changé. Galerie des héros, ouais, ça a changé un petit peu. T'inquiète, demain je l'aurai. Bah écoute, partie non classée. Partie rapide, on va faire quoi? Voilà. Donc, les timers, hein, toujours comme d'hab, hein, le temps de tout. En vrai, je vais être soutien. En vrai, je vais mettre tout. Je m'en fous, en fait. Par contre, est-ce que j'ai le son? Est-ce que j'ai le song? C'est pas sûr, parce que je fais le malin avec ma musique derrière. Mais je sais pas si... Non, effectivement, j'ai... Voilà, c'est mieux. C'est mieux, voilà. On a le son du jeu. Mais ok. Bah, comment tu vas faire pour l'avoir, du coup, si tu l'as pas, là? Hop, on va... Parce que là, il y en a plein qui pleurent. Hein. Apparemment, je te dis, il y a le clear étoile qui n'ont pas eu la bêta. Ah, attends, j'ai juste vérifié que j'ai laissé la porte ouverte pour ma femme. J'ai bien fait de vérifier parce que j'avais laissé les clés sur la porte, donc les drop Twitch, c'est pas les drops forcément. Hein. C'est des drops limités. Hein. Tout le monde les aura pas. Alors j'ai l'impression que ouais, visuellement c'est quand même beaucoup plus beau. Enfin il y a eu un up, je pense, je sais pas. Oh, je me suis fait sniper. 100% après 4 heures de live, donc... Ah, c'est 100%. C'est débile ce qu'ils ont fait. Putain, ça va être le bordel. D'accord, je savais pas. Bah écoute, si tu veux, demain soir, on se la cogne, comme à l'époque. Tu me dis à quelle heure... Mais en vrai, tu peux l'avoir sur le mien, normalement, le drop. Le 4 heures... Mais tu peux l'avoir sur le mien demain normalement, donc bah tu me dis, bah écoutez, je sais pas à quelle heure ils ouvrent les drops. Ok, bah écoute, demain de 19h à 3h, bah demain je lance un live à 19h si tu veux, comme ça j'ai Dirkos pendant 4h sur... Vas-y, je lancerai un live demain à 19h. Oh là là, bah ouais les gars. Oh, attention, derrière, ça tape. Bah je suis full tank parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, ça se passe bien. Non, ça se passe pas très bien en fait. Ouais. Au pire, comment on peut faire? C'est quoi? C'est avec le compte Twitch? Au pire, tu me passes ton compte Twitch, je me log sur Internet Explorer. Donc sur mon deuxième navigateur pendant que je stream et...
Comme ça, je le mets sur mon stream pour que tu l'aies quand tu rentres. Ça me dérange pas. Hein. Moi, je pourrais pas le faire pour 50 personnes, quoi. Me loguer sur 50 000 Twitch, ça va être compliqué. C'est combien de Géo BTW Overwatch je crois que c'est, je sais plus, 30, 40, j'en sais rien, je regarde jamais les gigas quand j'installe. Bam, bam, bam. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu veux, je te dis, tu me files tes logs, tu me files tes logs Twitch, je me log... Là, je suis même pas sûr que ça marche, en fait. De toute façon, tu me dis si c'est 19h, je lance mon live à 19h. Je lance ton live en view à 19h demain. Et puis comme ça, 19, 20, 21, 22, ouais, 23h tu l'as quoi. En vrai, ça me dérange pas si t'as pas possibilité du coup de te connecter. C'est quand même assez bien, assez stylé de revenir sur Overwatch. 19h c'est certain, jusqu'à 3h aussi. Bah voilà. Jusqu'à 3h aussi. Ah, jusqu'à 3h du mat? Comme tu veux. Non mais tu me dis en fait, t'as mon numéro de téléphone, tu me dis hein, moi je m'en fous, ça me coûte que dalle. Je cache onglet, comme tu veux. Moi je te dis, ça me dérange pas, j'ai 3 PC dans le, 4 PC dans le setup, enfin je veux dire lancer un truc sur un navigateur, moi ça me coûte que dalle. Hein. Oulala, oulala, oulala. Ah ouais mais non. Non non les gars, si vous défendez pas le win là. Oh putain, et c'est sportif. Mais putain, là tu vois, je retrouve le kiff en fait. En fait, il y a du monde, c'est tout. C'est que je me suis connecté plusieurs fois sur Overwatch dernièrement. Et bah t'as personne en jeu, t'as plus personne qui jouait. Donc là, si ça relance un petit peu la commu, ça peut être over stylé. Ah ouais, mais non. Non, 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 non. Ils sont chauds là par contre. Et dites-moi sur le live là, graphiquement, vous sentez l'upgrade ou pas? Bah, je me rends pas compte en fait. Yo Xoting, comment vas-tu? Ouais, ça se voit bien quand même, nouveau moteur graphique, ouais. Bah, je le trouve vachement plus fluide le jeu. Hein. Il l'était déjà, hein, mais ça va Xoting, comment vas-tu? Ça fait longtemps, putain. Putain, on retrouve des anciens, tu sais, qui viennent sur le stream, ils disent putain, mais. Orion sur Overwatch 2, Orion qui a eu de la chance sur une bêta, mon dieu. Ouais, si tu savais à quel point je suis ancien. Comment ça, si tu savais à quel point tu es ancien? Bah attends, le seul X-Loting que je connaissais, c'était Laurent. Mais c'est pas Laurent, X-Loting 2, là, quand même. Ce n'est point possible.
Franchement, si c'est le X-Loting que je connaissais à l'époque, Laurent, je pense que je me mâchais aller tout de suite là. C'est genre. T'es sérieux, mec? Mais what? Mais what? Bon, les gars, y a le goat dans mon cœur, l'un des goats dans mon cœur qui est sur live. Ouais, mais grave, en fait, grave. Mais en fait, c'est un mec. Voilà, bon, je le dis, mais il est là. C'est un mec que j'essaye de recontacter depuis des années. Et j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas. Non, mais mec, mais comment vas-tu? Putain, c'est insane. Hein. C'est insane. Ouais, de Boissus-Laurent, exact. Ouais. Putain. Mais qu'est-ce que tu deviens, mec? Qu'est-ce que tu deviens? Et Diarco, c'était un enfoiré, ouais, genre chiale. Ouais, ouais, non, mais là, je chiale intérieurement, non, mais ouais. Non, mais putain, c'est un truc ouf. Non, mais mec, j'essaye de te recontacter, genre depuis des années, en fait. Et oh là. Oh merde, oh non! Putain de ma cri! Ah, salaud. Mais que deviens-tu? Que deviens-tu? Bah, n'hésite pas à choper mes réseaux, hein, si tu veux qu'on parle, un de ces quatre. Ça fera grave plaisir. Se raconter notre petite vie d'adulte de maintenant. Oh là là. Ah, t'es marié, j'imagine. T'es marié des gosses, toi. C'est genre le cliché. Ouais, mec. Non, mais t'es marié des gosses, c'est obligé. Ah non, putain, on a raté l'objo. Putain, c'est un truc de ouf, mec. C'est un truc de ouf. Le temps passe trop vite, une petite fille de 20 mois, une maison et un fumier. Ah, stylé, bah moi je suis juste au mariage, moi, c'est tout. Enfin, le Pax, mais pareil. Bah si, maison, mais je vis pas dedans, en fait. Pas marié, désolé. Eh, ça va, j'en ai les deux sur trois, c'est bon. Non, c'est cool, putain. Petite fille de 20 mois, c'est mignon. C'est mignon. Pourquoi vous dites pas 1 an et 8 mois? 20 mois. Ouais, remarque, ouais, 20 mois, c'est vrai que ça va. C'est plus rapide. Stylé, pas que ceci. T'es toujours avec la même, avec la dernière que j'ai eu l'occasion de voir. Bah moi écoute, moi pour ma petite story, je suis paxé depuis un petit moment, je suis en couple, ça va faire 4-5 ans, un truc comme ça. C'est genre le mec qui sait même plus, tu vois. 4-5 ans, une connerie comme ça. J'ai monté 3 sociétés. Là, ce qui marche pas mal. Moi, j'ai connu celle qui habitait dans Trouble-Balle du Monde, là. Dans Trouble-Balle du 77. Donc, ça, c'était l'avant-dernière. Où t'étais obligé de faire les rappels de vaccins si tu voulais y aller. Non, je déconne, c'était super loin. Je crois que c'était en 77, Erici ou je sais plus quoi. Et après, t'en avais trouvé une qui avait l'air très bien en plus. Donc ouais, non mais carrément mec, si un jour tu veux qu'on se fasse un vocal et tout, avec grand plaisir, putain ça date tellement de ouf. Putain, il faut que j'ai la bêta d'Overwatch 2, tu sais, pour voir ressurgir les anciens, tu vois. C'est épique. Waouh. Ah, il m'a attraqué, l'enfoiré. Allez, on peut le tenir celui-là, on peut le tenir, il est facile à tenir en plus, tu vois. Je sais plus, l'habitait dans le 91. Mais je pense que ça va être la même. J'en sais rien en fait en vrai. Mais après, ça date, mec. Hein. Ça date de il y a combien? En fait, en vrai, ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé? Genre, ça doit faire plus de 10 ans. Donc, j'essaye de réfléchir. Mais ouais, je pense que ça fait plus de 10 ans en fait. Je crois que quand on se connaissait, j'avais pas de diplôme. C'est le cliché, tu vois. Quand on se connaissait, je n'avais point de diplôme. Et du coup, la petite blague, c'est que ma femme est pharmacienne, voilà, donc, dans le médical. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais en fait, je crois que je l'avais vu, on se parlait plus en fait. J'avais vu que tu t'étais terminé avec une fille, on se parlait plus déjà. Je sais même plus pourquoi on se parlait plus d'ailleurs. Peut-être plus de 10 ans. Après Barcelone, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça.
Bah moi j'ai coupé les ponts avec majorité de personnes, hein. J'ai refait ma petite vie différemment et je m'en porte complètement mieux. Voilà, je vis en Bretagne, je suis très bien en Bretagne, loin de l'Île-de-France. Et là le mec il va me sortir, ouais je sais, j'habite à côté. Voilà, voilà. Oh putain, hop. Heureusement que j'ai... Alors ça c'est bien pratique dans ce genre de cas. C'est bien pratique, mais grave. Mais tellement. Ouais voilà, victoire. Ouais, bah du côté de Rennes en fait. Plus près de Paris. Ah merde mon pauvre. Ah franchement, je vous t'as l'occasion de partir. Après j'en connais plein, tu vois, qui sont dans le domaine médical. Ils restent sur Paris parce que aussi par rapport au boulot. Et puis par rapport à la famille, hein, des fois. Moi j'ai mon père de toute façon qui part à La Rochelle. Ma mère, je te raconterai si tu veux en privé, XO. Bah d'ailleurs attends. J'ai essayé de te retrouver sur Facebook. Ah putain, ton nom de famille. Alors, j'ai pas de mémoire à ce point-là en fait. Ah merde, le con. Attends, je vais te filer mon Facebook, au pire ce sera plus simple. Alors, on va rester avec Mercy. Hop, on va prendre quoi? On a qui? On a la Diablesse. De toute façon, on a tous les skins. Je pense que les skins, il les récupère sur ta version. T'as déjà des nouvelles à ma mère? Ouais, bah, je t'expliquerai. Méfie-toi. Méfie-toi. Je t'expliquerai, si tu veux. Parce qu'il s'est passé des trucs très... Je l'ai sur Facebook. T'as quoi? Tu m'as sur Facebook? Ah, tu l'as sur Facebook. Ok. Mais il s'est passé des trucs très obscurs. Bah, n'hésite pas à me rajouter. Et puis, au pire, tout à l'heure, c'était encore debout. Je ferai un call sur Facebook. Ah ouais, mais oui, mais t'as suivi de son regard. Moi, je te balancerai ça du regard de la justice, en fait, et c'est différent. Oh merde! Ah là, il a géré le mec. Ah ouais, je parle plus à ma mère depuis une dizaine d'années, maintenant. Et puis voilà, et je me suis jamais porté aussi bien de ma vie. J'ai plus d'emmerde en fait. Je n'ai absolument plus d'emmerde, je vis ma meilleure vie, donc... Ouais Marina! Ma chérie, bah tiens, quand on parle du loup, ma femme. Eh Rina, tu te rappelles, je t'avais parlé d'un Laurent infirmier. Pas aide-soignant à l'époque. Non, infirmier. Bah, X-Loting 2, voilà, qui ressurgit 10 ans après sur mon live. Depuis qu'on se parle plus. Ah, mais il y a eu des dingueries encore après. Ah non, mais il y a eu des dingueries. Elle a failli me faire avoir des problèmes sur des. Sur, comment dire, sur des mythos. Des problèmes juridiques sur des mythos. Hein. Donc, beaucoup de chance, hein, c'est que bah, malheureusement, en fait, il y a des choses. Tu peux les balancer, mais par contre, pour les prouver derrière, c'est compliqué. Mais. Non, mais je te raconterai si tu veux. J'étais déjà venu sur ton live juste à pas capter. Oh, peut-être, ouais. Tu sais, je suis un. Là, j'ai pas beaucoup de monde parce que du coup, j'ai absolument pas prévu ce live. Je n'avais pas prévu d'avoir la bêta d'Overwatch 2. Vraiment. Quand j'ai vu ça, et franchement, j'étais ouf. Je me suis dit, oh putain. Coucou. De quoi? Elle m'a pas demandé. Elle m'a pas demandé, je pense qu'elle est habituée que ce soit toi.
Non, non, elle m'a pas demandé en fait. Erina, tu te rends compte? J'étais sélectionné pour la bêta d'Overwatch 2, quoi. Je te passe le clavier, après tu joues. je travaille dans quoi? En fait, j'ai une société d'infographie. En fait, c'est assez particulier. J'ai une société où je fais de l'infographie, de la vidéo. Voilà, donc principalement, vulgairement, c'est ça. Donc ça, c'est en auto-entrepreneur. J'ai une deuxième société, donc une SAS avec mon père, où on fait du développement web. Donc, alors principalement des sociétés, mais aussi pour du particulier. Et à côté de ça, j'ai une branche en fait d'Infinity que j'ai créée récemment, qui s'appelle Orion Studio, où là, je fais tout ce qui est impression, sticker, découpe. Toujours obscur avec toi. Ouais, non, c'est pas toujours obscur, arrête. Non, y a rien d'obscur. Faut pas dire ça. Mais ouais, c'est bah j'ai trois en fait, oui, j'ai deux sociétés si tu veux avec plusieurs branches bien définies pour éviter de tout mélanger. Et à côté de ça, là d'ici juin, je vais mettre un si. Ah, je l'ai peut-être dit, ouais, c'est obscur. Non, c'est obscur. Ouais, j'avoue. Mais ça c'est à cause de Bob Lennon en fait, ce mot que je l'ai obscur en fait. Il l'a sorti plusieurs fois le soir où on s'est vu. Et plus sur l'interview, et du coup, c'est obscur. Parce qu'il aime les jeux obscurs. Merde! Oh là! Fais pas n'importe quoi, Orion! Ah putain. Tant que ça marche, je souhaite. Franchement, ça va. Je fais des montages pour des films indépendants. Je fais du. Bah, du sticky, non, pas trop, parce que du coup, là, je viens à peine d'acheter le matos. Fait une grosse un gros investissement quand même pour ça. Mais oui, franchement, ça va, on a réellement pas à se plaindre. Hein. Tiens, on vit dans 100 mètres carrés, on se pose pas la question sur comment on va finir les fins de mois. Donc, non, non, en vrai. Comme je dis toujours, la Macronie ne nous a pas encore foutu à genoux. Allez, préparatrice en pharmacie. En gros, pharmacienne. Hormis le diplôme, il n'y a pas trop de différence. En plus, elle fait les stups. Donc, attends, il y a 50 plus. Comment ça, attends, il y a 50 plus? J'ai pas compris. Entre elle et moi? De quoi d'âge? Ouais, 5 ans, ouais. Ouais, bah j'ai eu mes 36. Ah, toi, ça te fait quel âge? T'étais un petit peu plus vieux que moi, je crois. T'avais pas un an de plus que moi? Attends, il y a 50 plus. Ah, d'accord, ouais, je comprends. Le mec est à l'ouest. Ouais, bah ouais, écoute, hein, bon, ça, je vais éviter de parler politique. Je pense que j'ai parlé suffisamment politique pour les deux dernières semaines. Mais, voilà. J'ai perdu des gens. Mais moi, j'étais à fond sur la défense des soignants, hein, mec. Hein. Je te jure. Les infirmiers, les. Moi, ça a toujours été un petit peu le. Alors que, en vrai, c'est comme je dis aux gens, tu vois, c'est. Moi, ça m'impacte pas ma vie personnelle. Mais il y a un moment, faut aussi penser aux autres. Donc moi, j'étais à fond pour défendre les droits des soignants. Enfin, pas que, hein, pas que les soignants, mais principalement, quoi. Parce que c'est vous qui avez mangé pendant cette crise. Alors, on vous serre la main et puis après, on vous chie dessus, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi.
Mais ouais, je pensais aux soignants, je pensais aux patrons de boîte de nuit qu'on en chiait aussi, tu vois. Ouais, non, mais si, j'imagine, hein, tu sais. Bah, le fait d'avoir. Enfin, moi, la nouvelle chérie de mon papa, bon, depuis un moment, hein, ma belle-mère, quoi. Elle est pédiatre, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Elle est. Enfin, un poste très avancé, hein, mais. Elle travaille en hôpital public. Donc ouais, moi elle m'avait raconté, je sais qu'elle, elle en a chié. Ouais, c'est ça. Elle est pédiatre. Ouais, non mais grave. Bah c'est pour ça, je comprends pas qu'on remette au pouvoir quelqu'un qui a littéralement chié sur les forces médicales de France. Voilà, clairement. Parce que c'est ça, hein. Chef de service pédiatrique, ouais. Voilà, sans parler, tu vois, des potes que j'ai à droite à gauche, hein, qui sont pharmaciens, qui sont médecins, qui sont... Oui, nous avons des contacts de la haute maintenant. Mais ouais, non, c'est assez fou. C'est assez fou. Je comprendrai jamais, en fait. Après, voilà. Après, je vais pas, tu vois, bon, je sais que je l'ai dit dans l'effort de la déception, mais... Salut, Lubengcito, comment vas-tu? Je vais pas redire, voilà, je vais pas faire le jeu des gens, tu vois, dire oui, les électeurs de Macron, c'est des teubés. Je vais pas... Oh là. Yeah, come on. Je vais pas jouer à ça. Je vais juste dire que, en fait, je pense qu'il y en a qui ont cru, en fait, ce mec pourrait refaire quelque chose. On verra, hein, on verra. Mais voilà, on va pas parler... On va pas parler politique plus que ça. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je joue que il en fait. Allez, c'est parti. Un shield. Rank. Perturbe. Non, t'inquiète. Non, mais mec, ça me fait hyper plaisir, hein, de te voir sur le live. Vraiment, hein. Réellement, sincèrement. Bon, par contre, Orion, do you might leave so our friend can join? This guy is. I don't know. Let's go. I can purple them, let's go. Ouais, je sais plus c'est quoi le bouton. Oh my goodness. Allez, éclate-le. Oh my god, I'm not dying. Please help me. Rush me. Ah merde. Ah, j'ai déconné là. Bah du coup, sur mon live là, y a personne qui a eu la bêta. C'est étonnant. It's so strange. Bon allez mon gars, on y va. Allez vas-y. Putain, tu peux pas lui foncer dedans. Ah ouais, mais là par contre, tu prends bague. Ouais. Ah putain. Il m'a eu.
Grand slip, grand slip, grand slip, go, 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 go. Hallo. Ah, ist ja nicht so cool, Mann, wenn er sleep, Mann. Scheiße. Was soll ich machen, der ist so bad. Ist ja nicht so cool, Mann. D'accord, ok. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les gars. Hein. Franchement, y'a pas de soucis. Ah, nah, c'est ok. Ah merde, putain, je me suis bourré de chemin. Ich heal mir au wenig. Le mec, il se rappelle... Le mec, il se rappelle plus des maps. Obwohl, je suis 2 Beta, je weiß nicht, wer hier spielt. Bon. Sleeping. Nice. Oh my god. Allez, 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 et finissez-les les gars. Allez, c'est bon, ça passe, tranquillou. Ça passe, c'est tranquille, man. Ryan is sleeping again. Oh my god, you were... On les a ouverts. Il a aucun gros lien. Oh, Boyaka. Oh, war schlecht. Oi, oi, oi. Ah, il l'a fini, ça. Oui, bye. Oui, bye. GG Guy. C'est quoi déjà le bouton de du push talk? Ça fait tellement longtemps que... Dire à tous. Discussion audio. Et GG people. Very very good game. Ok. Bah, parti trouver direct. Putain, ça s'enchaîne. Hein. Ça sent une chaîne. Bah, j'essaie de jouer un perso que je joue jamais. Ah, je vais lui. Lucio. Alors ça, c'est les nouveaux skins, si je comprends bien. D'accord. Je pense que les violets, ça doit être les nouveaux skins. Je pense. Pour aller. Ça c'est pour changer. Soigne automatiquement. Ok. On sonore. Ok. C'est assez étrange comme, comme gameplay, Lucio. Ouais, j'aime pas trop. Je suis pas hyper fan. Bah, Lucio, je l'ai jamais joué en fait. Oh,
On est d'accord, le vert, faut tirer sur tes potes pour les heals, c'est ça? Un heal et un speed tout le temps. Bah, je suis en heal en vert, non? Non, c'est le jaune, le heal. Ah putain, c'est en jaune, le heal. Ah, c'est en vert. On est d'accord, c'est en vert, c'est ça. Là, je suis en heal. Là, je suis en DPS. Ah non, c'est en jaune, le heal. Ah, c'est une aura, d'accord. Ah d'accord, ok. Non, c'est vraiment, c'est un perso qui m'a jamais intéressé. J'ai toujours trouvé stylé, en plus c'est la voix de Donald Renew, donc ça claque. Mais ça n'a jamais été un perso que j'ai joué en fait. Bah j'ai des persos hein, comme ça que j'aime pas. Hein. Son ulti c'est quoi lui? Mur du son. Ok. Alors on va essayer d'assurer le passage ici. Voilà. Ah, tu mets une Lucio, ouais, c'est pour ça. Non, moi je mets une Junkie. Merci. Et merde, et Reinhardt. Ah putain. Allez, je suis pas au poil sur ce perso. Même tes ennemis. Ouais, je sais, mais je me. C'est quoi? C'est clic droit pour bumper. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est vachement déroutant parce que au niveau gameplay, il est très très différent de ce que je joue d'habitude. Mais il doit être très stylé, hein. Vraiment, il doit être vraiment. Ah, c'est cool hein, ce Yamakasi Rasta. Ah, le gameplay est très particulier. Ouais, gameplay très particulier quand même. Ah, après, j'essaierai de switcher en DPS ou en tank. Cours sur les lits. Oh, c'était une extrémiste ça.
contre, il a pas une portée exceptionnelle. Hein. Bon, c'est normal. Hein. Ah putain. Non, je suis mauvais avec ce perso. Bah t'as Discord Laurent ou pas? Au pire je te file mon Discord. Oula 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 oula. Ah c'est E pour courir et putain. Ah c'est chaud. Non je suis pas fan du gameplay. Attends. Attends. Amour ? Chou ? Chou ? Attends, je reviens. Deux petites secondes là. Je me chauffe un café et j'arrive. Ah du coup, super. On va prendre Junkie. Voilà. Attends, je me couds. Attends, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas joué. À ce jeu. Je me mets sur Discord après la game. Et tu jouais sur PC ou... Ouais, je pense que tu jouais sur PC Overwatch. Oula. L'ouverture, c'est maintenant. Désolé, j'ai pas mangé ce soir, donc... Ouais. Ouais, j'attends de le voir sur PS5, voir ce qu'il vaut. Mais ouais, sinon c'est plus PC. Ouais. Ouais, moi c'est ce que j'étais aussi à l'époque.
À l'époque, j'avais une team de fou. Et ils ont tous arrêté, ils ont switch sur Fortnite. Oh merde. Ah merde putain. Bah en fait Fortnite est bon. En fait ça reste un bon jeu. Mais en fait c'est surtout, c'est toujours le même problème. C'est il n'y a pas de jeu vraiment mauvais. Enfin il y en a, on peut penser à Superman sur 64. Mais il n'y a pas réellement de jeu mauvais à proprement parler. Mais il n'y a que des communautés plus ou moins toxiques. Et c'est vrai que Fortnite, ça attire tellement de monde que ça a attiré une très très forte communauté toxique. Mais en soi, le jeu sur son développement et tout est très très bon. Oh putain, mais... Ouais, ouais. Bah l'ulti en fait ouais c'est... Si j'avais été protégé, si elle passait elle aurait pu passer mais c'est aussi de ma faute hein, j'ai pas checké que j'avais les défenses de... Du singe derrière, de Winston. Oh là là. Ils ont fait un mode... Là ils l'ont acté comme fixe en fait sur la méta du jeu, ils ont fait un mode sans construction. Je l'ai pas encore testé. Mais oui, non, les mecs. Bah, la team des snipers portugais, elle me gaffe sur Fortnite. Hein. C'est chaud, hein. Ouh. Ouais, non. Ils sont plus forts en face. Ils sont organisés. Vas-y, je me mets en vocal si tu veux. Je me mets sur vocal général sur Discord. Attends, je vais juste switcher. Ouais, haut-parleur. Ah, si tu veux, je suis sur vocal général sur. Tout. Partie non classée, on va refaire ça, on va essayer de... Ouais, dégâts ou tank. Je t'ai mis les droits hein, pour aller dans vocal si tu veux. En attendant, non, rien du tout. Ah là là. Mais ouais, les constructions sur Fortnite... Bah, le contexte était bien sur sauver le monde, parce que t'avais cet esprit où il fallait que tu défendes ta base, tout ça. Ça pouvait, à la limite, être assez cool. Mais oui, c'est vrai que t'as des mecs qui sont trop what the fuck.
Non, je regarde les commentaires aussi. Je vois pas la différence avec Overwatch 1. Bah si, enfin visuellement si, tu vois que le moteur il a été un petit peu revisité. Yo! Allô, allô? Ah, je t'entendais, hein. Je t'entendais, j'ai entendu le clic-clic de ton micro. Allô, allô? Yup. Salut, salut! Comment on va? T'entends pas, je crois. Je peux pas avoir la vidéo et en même temps le Discord. Ah, faut que tu... Ah, merde. Ah, ok. D'accord. Du coup, je t'entends de très, 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 très loin. Ah non, c'est normal. C'est que mon micro est très, 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 très loin. Attends. Juste. D'accord. Augmente le son, au pire. T'es sur ton PC, de toute façon. Non, je suis avec mon portable. Attends, je vais voir si je peux monter le micro. Tout, 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 tout. Hop. Non, putain, c'est pas par là. C'est lequel qui est branché là-dessus? Microphone Rode NT-USB. Là, tu m'entends mieux? Ouais, vite fait, ouais. Ouais, parce que le micro est au-dessus de l'écran. Comment va? Putain, ça date. Ah, je t'entends vraiment de trop loin, j'attends un mot sur deux ce que tu dis. Attends. On va faire autrement. Là, tu m'entends mieux? Allô, allô? Ouais. Ouais, tu m'entends mieux? Mais... Ouais, vite fait. Ouais, je suis pas sur le même micro, parce qu'en fait, le micro que j'utilise pour le stream, il est sur l'autre PC. Attends. Ouais, si je rapproche la cam. Attends. Hop. Et là, tu m'entends mieux? Là, tu m'entends un peu mieux? Non, pareil, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ok. Bah, attends, sinon, je vais faire plus simple. Oh non, là je t'entends encore moins. C'est normal, je parlais pas. Putain, ça fait. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de fou. Ah, ça fait longtemps. Hein. Bah ouais, écoute. Bah ouais, moi ça fait. Putain, ça fait une paye que je suis pas retourné en Ile-de-France. Ouais, t'es parti où en Bretagne? Vers Rennes, tu me disais? Ouais, je suis parti vers Rennes. On a pris un petit 100 mètres carrés sur Rennes. On a changé la vie. Hein. Ouais. Ah, j'étais parti dans le 91 en fait. À l'époque. Et vers où? J'étais à Nozay, donc c'était à côté de la ville du Bois. Je connais même pas. Massy-Palaiseau. D'accord, ok. Ben nous on est à côté de Saint-Geneviève-des-Bois, Morsan-sur-Orge. Ah oui, bah je connais. Ouais, c'était pas très très loin. C'était pas très très loin. Bah du coup on a acheté une maison là-bas, pareil, 100 mètres carrés. Ouais. Ah ça va. Ouais, 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 ça va. Ça doit coûter une blinde là-haut. Bah, 100 mètres carrés, c'est 300 000. Oh putain. Ouais. Alors, ici, on est un peu moins cher. On arrive à trouver à ouais, 230, 240 000. Ouais, bah ouais, c'est moins cher, forcément. Mais bon. Et encore, on s'est éloigné. On voulait plus près, mais à plus près, c'est vraiment trop cher après, plus près de Paris. Quoi. Ah oui, complètement, ouais. Bah, déjà là, oui, t'es pas sur le moins cher en plus. Ça. Voilà, ça va, on a une demi-heure de Paris, donc ouais, c'est pas trop loin vu que ma femme travaille sur Paris, du coup c'est pas mal. Au lieu des une heure et demie partant de Boissy, putain. Ouais, non, là, une demi-heure, c'est fait, ça va. Ouais. Non, nous, ça va, moi, la miss, elle bosse à quoi, 5 km du boulot, et puis, bah, moi, mon taf, c'est la carte du monde, quoi. C'est ce que je dis toujours, hein, c'est l'avantage, hein. Mon lieu de travail, c'est bah ouais. tu sens le planisphère et puis bah voilà, t'as mon lieu de travail quoi. Oui, oui, c'est clair. Si tu travailles sur ordi, après tu peux travailler n'importe où. Ouais, sauf pour les prestats. Pour les prestats, mais j'en fais un peu moins des prestats en ce moment. Presta vidéo, presta photo, j'en fais quand même beaucoup moins. Ça reste anecdotique. C'est pas ce qui gagne le plus au rapport heure de travail. Ouais. Ouais. Non, ça reste l'infographie et le web. Le web, ça repart un petit peu, ça a eu un gros pic vers le bas à cause du Covid. Parce que bah, les entreprises, ouais. En fait, elles n'investissaient plus, quoi. Donc là, ça repart. Bah, forcément, ouais. Ça a bloqué un peu tout le monde, ce Covid.
ça a bloqué tout le monde et puis bah, ça va continuer de bloquer tout le monde. Hein. Retour du pass sanitaire bientôt. Quatrième dose de poison, hein. Puis voilà. Ouais, oh, ça va revenir, ça va revenir. Oui, c'est ce qu'on dit depuis 2 ans. Ouais, bah voilà, maintenant, maintenant regarde, il y a eu plus de 100 000 contaminations par jour, ils n'ont pas à reconfiner, ouais, ils n'ont pas à demander des vaccins. Non, mais ils revenir. Ils tuent quasiment plus le virus là. Bah, c'est un peu la méta d'un virus, hein. C'est au bout d'un moment, plus il veut se développer, moins il finit par être contagieux. Hein. Enfin, moins il finit par être létal. Il va être contagieux, mais on va faire comme, comme les autres virus, on va passer à côté. Oui, c'est ça, c'est l'inverse en fait. C'est qu'il est plus contagieux, mais il est beaucoup moins létal. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais, ce que j'ai dit pendant 2 semaines. C'est. Enfin, les gars. Enfin, voter juste avec un truc dans la tête, c'est penser aux soignants, aux flics, aux gendarmes, aux pompiers. Voilà, là, apparemment non. Bah non, c'est pas pensé comme ça. Ah bah non, c'est mieux d'écouter des rumeurs et des fabulations qui datent d'une trentaine d'années, quoi. Donc bon. Ouais, c'est comme ça. Hein. Bah comme j'ai dit à une personne, je fais donc ça veut dire que en gros, si demain ton papa y tue quelqu'un, ça veut dire que toi, sur 10 générations, on va te condamner à assumer ce genre de choses comme si c'était toi qui l'avais fait, tu vois. Ouais, bah ouais, je sais bien. Ah, il y a un moment. Non, mais bon, si tu veux, le sursaut. Les gens, ils s'en mordront les doigts dans 5 ans. Hein, je dis. Bah, surtout que, excuse-moi, mais voter pour quelqu'un pour faire barrage contre lui derrière, franchement, il n'y a pas plus débile, quoi. Ouais. Mais je te dis, à force de faire des barrages, on va devenir le pays des castors, hein, je te le dis. Hein. Non, mais clairement. C'est pas des moutons, c'est des moujons castors. Ah ouais. Oula, oh le bâtard, il est passé. Oh, il flanque l'enfoiré. Et t'as pas d'enfant alors, du coup? Non, non, on n'en veut pas. T'en veux pas ni elle ni toi? Non. Quand on voit ce que devient la société, si tu veux, on n'a pas envie. Après, c'est un choix purement personnel. Je respecte ceux qui font des enfants. Oui, oui, oui. Non, non, mais. Mais chacun fait son choix. Hein. Mais non, non, je sais. Je sais, mais. Merci, Linéluma. Merci pour ton follow. Bienvenue. Je sais que des fois, mon discours, si tu veux, peut peiner, peut se dire ah ouais, non, mais dans ce cas-là, indirectement, tu juges, mais pas du tout. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas envie, si tu veux, d'imposer à mon gamin une vie peut-être encore plus galère que ce qu'on vit là, quoi. Parce que nous, on n'a pas à se plaindre. Mais. Enfin, c'est pareil. Je fais un gosse, c'est cool, je lui laisse un héritage en partant, et après, il fait quoi, tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr, non, non, non. Je peux comprendre cette démarche, après, voilà. Je peux te dire que c'est que du bonheur, presque. Enfin, presque que du bonheur, parce qu'il y a plein de chanlis derrière, mais. Ouais, mais toi, t'es formé depuis le début de ta vie à pas dormir, en fait, donc ça va. c'est ce que je dis. Mais c'est ce que j'avais dit. Je fais non, mais faut arrêter les aides-soignants et les infirmiers de nous dire ouais, c'est cool d'avoir un gamin. Vous êtes formés à pas dormir. Vous êtes formés à l'urgence. Je te jure. Donc ça. Donc, bah voilà. Ça, le gamin, c'est ça. Tu dors plus pendant. Mais, ça fait 20 mois qu'on dort pas. Mais c'est ça. Le bébé, il a besoin de quelque chose. T'as juste l'impression d'être au travail et de faire des heures sup, quoi. Tu sais. C'est ça. Ouais. Non, mais je dis pas, oui, ça doit être beau, mais. Après voilà. Et puis non, j'ai une vie trop trop speed en fait pour avoir le temps de m'occuper d'un gamin quoi. Ah c'est vrai qu'après ça change la vie. Hein. C'est clair que tu peux plus faire ce que tu veux. Ah c'est ça. Donc si c'est pour faire un gosse si tu veux et puis qu'il voit sa nounou plus qu'il voit ses parents, c'est pas intéressant quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un choix. C'est un choix et moi je respecte les deux côtés. Mais, ouais. Bon. Mais du coup, je sais pas si tu peux en parler là sur le live, mais du coup, ta maman, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi j'ai aucun filtre. Bah, ma mère, en fait, si tu veux, elle a essayé de me foutre énormément d'emmerdes sur la gueule. Mes parents sont séparés officiellement. Ouais, ça je m'en rappelle, j'étais là encore. Elle a fait traîner pendant X années, elle a essayé de le pourrir comme pas possible. Manque de bol, ça n'a pas marché. Et là, elle fait exprès de traîner pour la maison, si tu veux. Donc voilà. Comment ça? Bah elle fait en fait quand il y a des visites la maison de Orgenois, ouais. Enfin je me rappelle même plus, c'est Pringis, c'est que si Orgenois. Non, les... c'était Orgenois, on était de la même ville, hein. Orgenois Boissis. Non, c'était Orgenois. Bah en fait elle fait... Ouais, c'était Orgenois, oui, c'était Orgenois, toi c'était pas Boissis. Mmh. Bah elle fait traîner parce que en fait ses parents, donc mes grands-parents sont décédés, j'étais même pas au courant, j'étais au courant un an après. Donc super.
Ouais. En gros, là, si tu veux, quand il y a des visites immobilières, elle fait en sorte que la maison soit désévaluée en disant regardez, ça c'est pas bien, ça c'est cassé. Ça... L'inverse que ce que tu fais. Sur la maison d'ordrement ? Ouais, pour essayer de la dévaluer et puis essayer de la racheter, quoi. D'accord. Je croyais qu'elle était partie, d'Orgenois et qu'elle était partie vivre ailleurs. Première nouvelle ? Non, mais je croyais. De ce que j'ai suivi, je croyais qu'elle était partie d'Orgenois. Non, mais bon, elle a foutu la merde. Elle a mis tout le monde à dos. Elle m'a mis tout le monde à dos. Elle a mis tout le monde à dos de mon père. Elle a réussi à me remettre mon frère à dos. Donc voilà, alors que je lui reparlais, mon frère, pendant plusieurs années. Il devient quoi, en fait, ton frère ? Je sais pas, j'ai zéro nouvelle en fait. C'est pas trop ? Non, j'ai zéro nouvelle. Ah oui, d'accord, carrément. Ça fait. Bah, je vais parce pas. Que, attends. On reprend depuis le début là. Après la séparation d'Orgenois, là où on était encore, on se voyait encore là. Ouais. Moi, c'était le début de la séparation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre eux ? Bah, entre tes parents, oui, parce qu'il me semblait que ta mère était partie de la maison du coup. Non, elle est jamais partie. D'accord, elle est jamais partie. Non. Non, elle est jamais partie. Mais du coup, ton frère, pourquoi tu t'as plus de nouvelles s'il n'est pas parti d'Orgenois ? Bah, je sais pas. Il est revenu d'Orgenois parce que mon frère était juriste en fait. Et il a arrêté, il a voulu changer, il a voulu devenir flic ou je sais pas quoi. Il a raté son concours et je sais pas ce qu'il devient. Voilà, c'est. D'accord. Voilà, moi je suis en très bon terme avec mon père, hein, ça c'est clair et net. Avec mes grands-parents paternels, il n'y a pas de souci. Mais alors. Ouais. Mais voilà, mon grand-père est décédé en 2021, je l'ai appris il y a un mois, quoi. D'accord. Voilà. Mais ma grand-mère, ça a été le même délire. Ma grand-mère, je l'avais appelée au téléphone quand j'ai quitté. Parce que c'est pareil, on a déménagé en plein Covid, donc ça a été galère. On a payé un loyer, on a failli payer deux loyers en même temps. Enfin bref, un bordel pas possible. Ouais. Et, avec les galères du Covid, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais appelé ma grand-mère maternelle et en fait... voilà, enfin elle avait toute sa tête et tout, et puis elle est décédée quelques mois après ou quelques semaines, et personne m'en a averti en fait. Ok. Bon, bon. Et ta mère, elle vit où là, et ton père, il vit où? Mon père est toujours en Île-de-France, et ma mère, elle est Orgenois normalement. Elle est où ta mère? Toujours à Orgenois, toujours dans la maison. Ah, elle est toujours dans la maison d'Orgenois, alors. Ouais, d'accord. Bah, elle fait blocage. C'est ton père qui a déménagé. Ouais, mon père, ça fait un moment hein, qu'il vit plus Orgenois. Hein. Ça fait une dizaine d'années, hein, déjà. D'accord. Enfin, je crois, je sais plus. Mais bon. Je sais même pas où il vit. Si, mais je vais pas le dire sur Internet. Ouais. Il vit là où est la société Orion Design, donc c'est facile à checker, quoi. Ouais, ok. D'accord. Non, après, tu sais, j'ai fait blocus sur ça. J'ai fait une croix là-dessus et puis je m'en porte. On ne peut mieux, quoi. Ouais. Mm. T'es parti il y a combien de temps vers Rennes? Ça va faire quoi, 3-4 ans, 3 ans. Ouais, ok. On est parti pour te dire en fait, on a eu la réponse positive parce que ça a été une galère, hein, parce que quand t'es parisien, aller habiter à Rennes, c'est chaud. Parce que les agences aiment pas les Parisiens, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. Et parce que même si t'es pas de Paris, ils s'en foutent. Donc ça a été une belle galère. Et on a eu la réponse le jour où Macron a donné le premier confinement. Et je devais aller chercher les clés le mercredi. Et Macron a annoncé lundi le confinement. Donc j'ai pas pu aller chercher les clés. J'ai eu la chance d'être en super bon terme avec mon patron qui du coup on a décalé un petit peu mon délai de départ, tu vois, parce que c'était dû à l'amiable. Mais ouais, ça va que j'avais un patron au top du top, quoi, parce que sinon ça aurait été la merde. Ouais, bah. Donc oui, ça fait depuis le début du Covid. Ah, mais on a déménagé toutes nos affaires en plein Covid. Mon père il était venu m'aider une fois, mais la deuxième fois il pouvait pas. Le deuxième camion, parce qu'on a fait deux allers-retours, le deuxième camion avec Rina, on était que tous les deux. Ah, c'était une galère pas possible. C'est vrai que j'avais un pote ici qui nous a aidé pour vider le camion, parce que sinon c'était même pas la peine. Mais ouais, ça a foutu la merde. Bah ouais, j'imagine. Donc voilà. J'imagine. Et toi, famille, tout ça?
Bah écoute, mes parents, eux, ils sont partis vivre en Bretagne aussi. C'est vrai ? Ça m'étonne même pas. Ouais, ils ont kiffé la Bretagne de base. Donc, ils sont vers quel coin ? Il y a plusieurs années, hein, il y a au moins 5 ou 6 ans déjà. Ouais, ils sont vers quel coin ? Ils sont à Bénodet, eux. Alors c'est où ça ? C'est Pointe-Finistère. Ah oui, donc ouais, donc à l'ouest. Ah oui, c'est un peu plus loin que Rennes. Non mais ils ont raison. À 2h30 de Rennes. Mmh. Ouais, ils ont raison, en plus ils sont en retraite, donc bon, ils ont pas de contraintes du c'est travail ça. Et tout ça. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. Non, c'est cool. Puis, bah nous, bah, on a acheté en région parisienne, puisque Stéphie travaille sur Paris et moi sur Corbeil. Donc, c'est entre les deux, un mix entre les deux. De toute façon, tu verras. Hein. Sinon, comme on dit, hein, une maison, ça se revend, ça se loue. Un bien immobilier. Ouais, ouais, ouais. Bon, puis surtout dans la région, franchement, tu peux la revendre plus cher que ce que tu l'as acheté. Donc, oui, voilà. Donc, bon. Après, c'est le boulot. Après, sur la région Bretagne, je sais que ça recrute. Après, mais voilà, hein, sans vendre la Bretagne, parce que j'y suis, c'est le jour et la nuit en termes de vie, en termes de coût de vie, ne serait-ce que sur les courses. Ouais, ouais. Oh, mec, sur les courses, on est arrivé, on a fait des courses, c'est impressionnant. On paye ici, on paye quoi ? On paye 780, je crois. Quand on arrive ici, les Bretons, oh, mais c'est horriblement cher ce que vous payez quand vous allez faire. Nous, on est arrivé, on se dit, mais c'est pas cher en fait. Ouais, grave. Bah non, j'ai pris dans un studio sur Paris. Bah, non, mais je payais la même chose pour 42 mètres carrés à Nozay à l'époque. Donc, ouais, bah oui. Putain, quand on est arrivé ici, on s'est dit putain, mais c'est trop grand en fait. On, ça va faire vide. En fait, non, c'est déjà trop petit. Mais. Ah, mais toi, la dernière fille que je me rappelle. Je me rappelle plus à quoi elle ressemblait. Parce qu'il y a eu celle d'Air ici. Et un peu plus tard, tu en as rencontré une. Et c'est celle-là que je me rappelle. J'étais à la nuit, à l'Ipsy. Ouais, ça doit être celle-là. Ouais, hein, je pense. Bah, après, ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble. Donc ça doit être celle-là. Hein. Bah, attends, c'est quoi ton Facebook ? Comme ça, je vais te dire sur les photos si c'est elle. Bah, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Ouais, je me rappelle plus du nom de famille. Laurent Moreau. Ah oui, voilà. Exact. Hop. Là, faut que je trouve le bon. 80 ans, ça doit pas être le bon. Après, je sais pas si j'ai pas tout bloqué sur Facebook. Pas longtemps. Grande question. Ouais, sinon sur Instagram, tu dois avoir. Ouais, attends, je vais te dire. Xloting sur Insta. Non, je crois que c'est Laurent IDE, je crois, comme ça. Ah oui. La photo de profil, mec. Ah, elle est vieille celle-là. Ah bah elle est vieille, hein. Très très vieux. Ah, c'était à Fontainebleau, c'est très très vieux. Putain, je t'ai follow. Ouais, ça date. Ça date, puisque t'avais un. Je sais pas si c'est un OJ Star ou si c'était un O Ashlanders. Oh, je sais, je crois que c'est Ashlanders, quoi. Ouais, y a moyen. Je sais même pas si elle existe toujours, cette boutique. Ah, franchement, je sais plus. Ça fait des milliards d'années que je suis pas allé à Villiers-en-Bière. J'ai vraiment aimé vos discussions. Ah, me voilà qui reste. Ah, salut, salut Nilma. Ouais, bah écoute, bah tu sais, c'est bon enfant ici. Hein, je me prends pas trop la tête. T'as pas eu la bêta ? Demain, je lance mon live à 19h. Si vous restez 4h, apparemment, vous avez une chance d'avoir une clé. Enfin, vous avez une clé. Donc, n'hésite pas, je lance à 19h. Ah pareil Laurent, si tu veux la bêta, je vais le lancer exceptionnellement demain mon live à 19h, bah le début du timer pour que les gens aient la bêta. Ouais c'est elle. Non moi je t'ai accepté, tu dois avoir. Oh, ouais infos. C'est elle. Ah oh, bah c'est cool, franchement c'est cool. C'est tellement rare c'est tellement dur maintenant de trouver son âme sœur, j'ai l'impression. De quoi ? C'est tellement dur maintenant de tomber sur son âme sœur que. Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, moi, ma femme, c'est moi. En termes de loisirs et tout, c'est moi au féminin, quoi. C'est une geek comme pas possible. Bah, tant mieux. Bah, même en bossant, elle joue 10 fois plus que moi à la PS5, quoi. Donc. Ah, bah, yo.
Vous connaissez depuis un moment? Ah ouais, non, bah, je pense que c'est celui que je connais depuis plus longtemps de tout le monde, en fait. Ouais. Bah, ça date de quoi, des années quoi? Je sais même plus. Les années tectoniques, mec. Bah oui, mais avant la tectonique, parce qu'on se connaissait avant la tectonique et on a appris la tectonique ensemble. Mais tu sais qu'en plus, il y a quoi? Il y a peut-être un an. C'est marrant parce que Attends, je regarde de quand ça date la tectonique. Les années 2000. Mais tu sais que t'es passé sur mon live indirectement parce que j'avais retrouvé mon Skyblog de l'époque et il y avait des vidéos qu'on avait fait dans ma chambre où on dansait sur. Ouais. Et je m'en rappelle, ouais. Attends, je suis même sûr que je peux le retrouver. Skyblog. Oh, la tectonique, ça, de 2006-2007, donc on doit. Oh mec, je l'ai retrouvé. Du en 2005-2004. Oh mec, je l'ai retrouvé. Oh mon dieu. Regardez, alors là, vous voyez, c'est des dossiers que vous ne verrez plus jamais hein, sur mon live. Hein. C'est exceptionnel de voir ça. Voilà. Donc je suis où? Je suis là. Retour au blog de DJ Side. Oh putain. Ouais, ça va être depuis 2005 qu'on se connaît, donc 2000, on est en 2022. Oh merde. Attends. Ouais, je vais éviter. Ça va faire 17 ans, ouais. C'est plus facile de rencontrer des gens qui ont des points communs avec Internet, du coup c'est plus compliqué de trouver la personne. Ouais, non mais c'est ça, mais il faut arriver à trouver quelqu'un avec qui t'as une symbiose totale en fait, avec qui t'as été capable de t'engueuler et puis 10 secondes après c'est oublié. Le vieux Skyblog, bien cliché, bien kitsch. Ah bah oui, non mais il date des années 2000. C'était coupe à crête. D'ailleurs, on avait gagné un concours de tectonique dans une boîte de nuit avec entrée à vie, si tu te rappelles. Ouais. Mais c'était à... C'était vers Nemours ou je sais pas quoi qu'on avait gagné, ouais. Ça, non? Ouais, c'est ça. C'est vrai, putain. La tectonique, quoi. Non, bah. Non, moi sur la fin. J'avais fait des beaux trucs en DJ sur la fin. J'avais fait un gros festoche devant 2500 personnes. J'avais fait une soirée devant 8000 personnes. T'avais pas fait, tu sais, DJ à la boîte de Havon, là? Ah, si. Ouais, si. Je lui ai sauvé le cul quand il avait pas de DJ, ouais. Je sais plus, à Fred Joubel ou un truc comme ça, non? Puis c'est lui ou pas? Alors j'ai streamé, ouais, j'ai mixé une fois à Pontierry à Maison Rouge pour une soirée étudiante. J'ai la boîte, non, la boîte qui était avant que tu parles, c'était en bas de Fontainebleau. Ouais. C'était le People. Je me rappelle plus du tout du nom. J'étais résident du People pendant un an, deux ans, une connerie comme ça. J'ai mixé partout. Non mais le mix, enfin DJ en soi c'est plus un métier, c'est fini hein. Ils ont tellement simplifié le truc, c'est puis c'est plus du tout tendance. Mais non, le dernier truc que j'ai fait c'était en bord de mer, c'était à Royan et ouais, devant 2000 personnes. Et j'ai fait une autre soirée dans le sud où j'ai devant 8000 personnes. C'est assez cool ça. Assez stressant. Sur une plage aussi. Je fais n'importe quoi sur le jeu. Mais oui, tectonique, je pense que c'est les années 2003, un truc comme ça. Bah, ils disent 2006-2007 là. 2006-2007? Ah putain, ouais, c'est plus récent, ouais. Ça. Putain, je voyais ça. Ouais, mais vu que nous c'était avant, donc ça doit être 2005. Donc bah ça fait 15, ça fait 17 ans. Ouais, ça. 17 ans, ouais, c'est ça. Ouais, parce que ouais. Ça nous emmène quoi quand j'avais 19 ans? Ouais, si, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Putain. En fait, c'est tellement proche et c'est tellement loin en même temps. Ah ouais, 17 ans, ça fait loin, c'est ouf. Je me rappelle des soirées à Boissise ou à Argenois, c'était ouf. Ah, moi, je me rappelle de vidéos à ces dossiers, notamment sur Partir un jour dans ma chambre à l'époque. Oh, mais il y a tellement de vidéos dossiers, mon gars, avec c'est tombé. Ton ex-ex et avec. Merde, celui qui fait de la muscu maintenant, qui était. Tu sais, qui a une maladie ou. Il a pas de cheveux, pas de sourcils.
Oh là là. Je sais pas si tu te rappelles. Qui c'est ça? Merde, je me rappelle plus de son nom. Yann? Ouais, si, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'était ça. Qui s'est mis à la muscu après, je crois. Oui, si, c'est lui. Qui c'est? Je sais pas. Ah, il est devenu monstrueux, mec. C'est une armoire à glace, le truc. Ah, ils ont eu leur délire. Je sais, franchement, je sais pas. Ils sont tous mis à la muscu. Mon frère, c'est pareil, il est devenu énorme. Enfin. Moi, j'ai dit non à la muscu, c'est le mal. J'ai envie de continuer à vivre. Et ouais, donc ouais, ma femme, ouais, une geek, une collectionneuse aussi. On a je sais plus combien à l'heure actuelle, on a quoi? On a peut-être 8500, 9000 figurines dans la maison. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ça commence à être à l'étroit. Ah oui, c'est les figurines, c'est tes enfants. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Les figurines, les statues. On s'est calmé. Enfin, je me suis calmé surtout. Parce que j'étais vraiment parti dans la déchéance. Hein. Je suis quand même monté à 600 pop ou un truc comme ça. Et quand même. Et on regarde l'appart, on se dit, il va peut-être falloir qu'on se calme un peu quand même. Il n'y a plus de place. M'étonne. Bah ouais, ça se remplit vite. Mais Donc ouais, nouveau délire, c'est dans l'impression des coupes. Dans quoi? Dans l'impression des coupes. L'impression des coupes? Ouais. C'est impression jusqu'au format A3+, t'es sur du 33 cm par 48. Et puis tout ce qui est découpe, tu sais, découpe de vinyle adhésif pour voiture, tout ça. D'accord, ok. On verra si ça marche. Skin de console, skin de PC, de vitre de PC. Et puis, tu regardes sur mon Facebook, je crois qu'il y a des petits exemples de ce que j'ai sorti là. Ok, d'accord. Bon, j'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est clair. Après, le truc, c'est... Par contre, moi, ouais. Je vais aller au dodo parce que ma fille, elle se réveille ah bah à 7h du mat. Ah bah oui, t'as choisi. Hein. Ah oui, 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 j'ai choisi, mais je ne retournerai pas en arrière. Bah non, mais t'as raison. Bah écoute, ce fut un plaisir. Bah écoute, à très vite. Ouais, à bientôt. Allez, des bisous, ciao. Allez, ciao, bisous. Ah putain, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, les potes. Ça fait super bizarre. Alors. Donc, ouais, Lynn et Lumière. Lynn et Luma. Alors, il y a quoi? Il y a deux personnes? C'est quoi le truc? Lynn et Luma. C'est mignon. C'est mignon, Lynn et Luma. J'aime bien la consonance. On va se remettre de la musique en fond. Parce que du coup, c'est vrai que sans son, c'est pas... Hop, voilà. Ouais, je me prends pas la tête en fait. Tu vois, je suis pas le. C'est ton chat. C'est trop mignon. Mais tu sais qu'en plus, c'est un gros délire. Parce que moi, Orion, à la base, donc c'est un logo de chat. Orion, c'est aussi le nom de mon chat. Mais Orion avec un I, mon chat, par rapport à la constellation. Et moi avec un Y. Et donc, voilà. Donc, je comprends qu'on mette le nom de son chat dans son pseudo. Et c'est beau. Et bravo. Donc ouais, je disais, moi je me prends pas la tête sur mes streams, enfin y a pas de... Je me mets pas de censure aussi. Alors j'évite de partir trop loin sur certains débats, mais... Je vais pas penser une chose et dire l'inverse. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient, je pense, prendre un exemple sur ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui te disent rouge devant, et puis en fait c'est vert derrière. Et, je trouve pas ça fou, quoi. Ah oui, d'accord. Un gameplay de fond qui est... Ouais, bah c'est ça. Bah en fait, c'est ce que je préfère, hein, tu sais. Moi, je fais... Je faisais... Alors, faut que je refasse. On faisait des libres antennes, tout ça. Des soirées débats. Je pense que le stream, en fait, prendre son intérêt, c'est vraiment dans la discussion, le partage et l'échange. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, hein. Les gens pensent que voilà, tu lances un jeu et ça fait le taf, quoi. Bah, je suis désolé, mais non.
Toi, tu dors. Oh, t'y as cru, toi? Non, mais c'est ça, faut... Enfin, faut pas se prendre la tête. À un moment, on stream pour parler aux gens. Si tu stream pour jouer et pas parler, pas échanger, autant lancer ton jeu sur ton canapé chez toi, quoi. Il y a un moment, faut pas se mentir. Ouh. It is the Clash Carbone. Alors, on va peut-être quand même se safe un petit peu. Et je vois beaucoup de streamers qui arrivent et qui lancent des gameplays et puis bon bah sans parler du sub for sub hein, qui est pour moi la déchéance du stream. Mais parlez les gens sur vos streams, vraiment parlez, les viewers parlez, échangez et c'est ça le réel intérêt. Il n'y aurait pas d'intérêt à ce qu'on soit là hein, si c'était pour ça, si c'était pas pour ça. Hein. En vrai on va rester en def, ça sert à rien d'aller attaquer. Hein. Bah c'est ça, moi je pars du principe si tu veux, c'est que tu peux pas, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, alors à l'époque c'était le cas parce que c'était un peu plus élitiste sur certaines choses, mais en fait si tu restes sur un stream, juste sur du gameplay, c'est soit que le mec est très très bon, ce qui n'est absolument pas mon cas, je joue pas assez hein, pour être très très bon, parce que j'ai une vie aussi à côté. Oula, ouais, non, je vais me faire ouvrir. Là. Ouais, c'est sûr. Tout sur moi. Tu as mis 10 minutes avant de pouvoir parler après un follow. Non, je sais pas pourquoi c'est activé ça. T'as mis 10 minutes avant de pouvoir parler après un follow? Sérieux? Ah, je sais pas, il y a un truc qui a dû s'activer. Je vais regarder après. Des trolls? Non, j'en ai pas trop. Mais c'est bizarre que cette option elle soit activée. Alors est-ce qu'elle n'a pas été activée de base? Parce que je sais que Twitch a fait des modifs sur pas mal de trucs. Ah, je vais regarder, ouais, parce que non, ça je suis contre ce genre de choses. Justement, faut que les gens puissent parler dès qu'ils sont follow. On a gagné là. Attends, je vais regarder sur les options parce que ouais c'est pas normal. Tableau de bord des créateurs. Tu fais quoi maintenant? Je bosse, en fait j'ai ma société, je suis en infographie et du coup en impression depuis peu, et en vidéo et en web. Voilà, j'ai une société multiservice. Je fais beaucoup de packs de stream pour les streamers. Alors, paramètres, chaîne, je pense que ça doit être dans modération. Flux. Alors, faudra que je regarde parce que je vois pas de... Ah, mode réservé aux followers, éteindre. Voilà, je sais pas pourquoi il s'allumait, c'est pas moi qui l'ai activé. Ok, voilà, il est désactivé. Alors, l'audiovisuel, c'est hyper intéressant, je dis pas. Après, c'est très, 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 très compliqué d'en faire sa vie, en fait. Moi, c'est pour ça que je fais autre chose aussi à côté, parce que je n'en vis pas, clairement. Parce que à moins d'avoir de très 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 gros contacts, si tu veux, c'est très compliqué d'avoir une clientèle très régulière. Je dis pas que c'est impossible. Après voilà, je pousse pas trop dans la com hein, en ce moment. Très clairement. Là les sites vont arriver, ça va être un peu différent. Hein. J'ai 5 sites hein, qui vont sortir, dont 2 boutiques. Donc là la com va être un petit peu plus intensive. Mais bon. Là c'est surtout du bouche à oreille. Très clairement. Bon, j'en vis, heureusement. Hein. C'est pas avec le stream que je vais en vivre, en toute façon. Ça m'aide un peu, hein, on va pas se mentir. Hein, mais...
Allez, venez taper ici, pour qu'il vous tape à gauche. Ouah, bien joué. Bah, ça peut le devenir en fait. C'est juste faut que t'aies. Faut que t'aies de quoi subvenir à tes besoins le temps que ça marche. C'est le problème. Puis bon, ça demande un budget, du matos, enfin ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du montage, un bon PC, ça peut suffire. Maintenant, si tu fais de la captation, tout ça. Ah, je me suis fait éclater. Mais après, oui, il faut. C'est un pari sur l'avenir. Ce que je dis toujours, c'est ça. C'est que c'est un pari sur l'avenir. J'ai loupé quelque chose. D'ailleurs, attends. Je me rends compte d'un truc, c'est que je l'ai... Ah, t'es où ma souris ? Mais c'est hyper intéressant. Après, rien ne t'empêche de faire ça en loisir et le jour où tu te dis putain, je peux faire quelque chose, de faire ça en parallèle d'une activité principale. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Juste, tu fasses gaffe par rapport à tes rentrées d'argent si t'as des aides, des trucs comme ça. Parce que forcément, si tu rentres plus d'argent, tu peux avoir des aides qui sont sautées quoi. Oh merde, la garce. Oh là là. Ah mais les mecs ils y vont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah ils foncent dans le tas. Donc là c'est perdu là. Ah non, c'est gagné. Hop. Et tu fais quoi comme table dans la vie sans indiscrétion? T'as le droit de pas me répondre. Compliqué d'être le seul tank. Bah non, en principe, oui, t'as qu'un... Oui, enfin, si, tu peux avoir deux tanks, oui, c'est vrai. Bah, j'aime bien, alors que c'est paradoxal, parce que dans les autres jeux, dans les MMO, par exemple, tank, c'est pas le truc qui me fait kiffer, quoi. C'est impossible. Ah, oh, stylé. Stylé. Liste d'attente. Putain, il y a des listes d'attente pour les licences. Putain, c'est ouf. Paye l'incertitude de l'avenir, quoi. C'est... Allez, kaboum. Oh, on a gagné. Non, ça c'est pareil, c'est de l'intox. Non, il veut pas mettre toutes les écoles payantes en fait. C'est, je me rappelle plus de ce passage-là, mais c'était différent. Non, il va pas non plus faire ça. Là, il se fait fumer, hein.
Non, l'éducation est gratuite en France. Non, je te rassure, il va pas mettre les écoles payantes. Après, pour les écoles sup, je sais pas. Mais on verra de toute façon. Enfin, je veux dire, là, on a pas le choix, quoi. C'est même pas une question de est-ce que pas. C'est on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ouais, voilà. Mais c'est le problème, en fait. Et encore une fois, c'est pas vous qui êtes coupable. C'est pas vous qui êtes coupable de quoi que ce soit. C'est qu'en fait, on te... Moi, je suis très engagé d'un point de vue politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2 semaines, j'ai eu énormément de gens qui ont quitté, en fait, mes réseaux. Je suis très engagé politiquement depuis très longtemps. Donc, du coup, je m'informe. Enfin, j'ai lu tous les programmes des candidats. Hein, tous les... ils font pas tous 400 pages. Il y a celui de Zemmour qui est quand même relativement gros. Les autres, ça va, ça fait quelques pages. Mais en fait, c'est le gros problème. C'est que l'éducation, si tu veux, qui est faite via les réseaux, elle est tronquée. Elle est totalement adaptée, manipulée. Ce qui fait que toi, les infos que tu vas avoir, bah, ça va être les infos que les gens vont repartager. Et comme les gens, un tweet, ils prennent ça pour argent comptant, voilà, dès que ça va dans leur sens, c'est forcément vrai, tu vois. Non, faut analyser, tu vois. Donc, de toute façon, le meilleur truc que tu as à faire pour vérifier ce genre d'infos, c'est d'aller voir les programmes des candidats et de voir si ça figure. Mais bon, Twitter, pour moi, alors là, bon, Elon Musk l'a repris, donc peut-être que ça va... Ça va changer la donne au niveau des intox et tout, mais il y a beaucoup d'intox. Beaucoup d'intox, c'est un truc de ouf. On vit dans un monde qui est mytho, en fait. Tu sais plus quoi croire. Tu vois ? Un peu à l'instar de YouTube, quand tu cherches une bande-annonce de film et que t'as 300 bandes-annonces où c'est des fausses bandes-annonces et t'en as que deux qui sont vraies, bah là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, t'as 300 personnes qui vont te dire des conneries et t'as que deux personnes qui vont relayer les vraies infos, tu vois ? Mais c'est pas que Twitter, en fait. C'est tous les médias à l'heure actuelle. Et c'est pas de la faute des plateformes. Encore une fois, c'est pas de la faute des plateformes. Mais que ce soit Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, tout ça, c'est le pays de l'intox, le pays du mytho. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas de la faute aux plateformes. C'est pas les plateformes qu'on dit on crée une plateforme pour qu'il y ait du mytho. Ça, c'est les gens. Un peu comme Fortnite, j'en parlais tout à l'heure. Fortnite est pas mauvais actuellement. Parce que le jeu est mauvais, le jeu est très bon. C'est juste que les gens, ce qu'ils en font, est mauvais, en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est hyper triste. Et ça crée un clivage des populations qui est impressionnant. C'est sûr que le clivage est très, très, très violent. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux, hein. Salut Lani, comment tu vas? Comment tu vas, ma grande? Lani, la poteau voisine. Faudrait que je passe te voir. Putain, ça m'est sorti de la tête, je suis vraiment désolé. Faudrait que je passe te voir à l'occasion à Rennes. Après, tu vois, niveau politique, je me suis pris au jeu d'aller voter tour 1 pour la première fois, mais à l'heure actuelle, le second tour. Et encore une fois, prendre avec du recul, je comprends les gens qui n'ont pas été votés, les gens qui se sentent pas concernés, je comprends. C'est dommage, parce que du coup ça a laissé passer quelqu'un qui va foutre la merde dans le pays, on va pas se mentir. On va tester là, nous. Ah bah non, je me suis fait prendre. J'aime bien, je dis, on va tester. Non, on va pas tester, en fait. On va prendre qui on va pas prendre Farah, tu vois, on va prendre... Je sais pas. Possible. Je sais pas encore, Lenny. Je sais que j'ai mes invites. Ça va dépendre le temps que j'ai. Parce que je vous explique un peu mon planning de folie sur ces prochaines semaines. Samedi, ce week-end, hein, donc j'ai la Geek Days. Lundi, je pars en Espagne pour aider mes beaux-parents à déménager. Et mardi, je commence un montage pour un film, pour un festival du film. Donc un... Yo, team. Hi, your team. How are you? Sorry, guys. Why do you talk like that?
Donc ouais, je vais avoir un petit peu une les 3-4 prochaines semaines là vont être assez folles. Là, c'est entre guillemets, c'est une semaine de repos parce que j'ai quelques flyers à faire, des chartes graphiques pour des streamers. C'est bizarre hein, mais c'est merde, comment on fait pour réparer déjà? Donc normalement oui, je sais pas encore en fait. Pourquoi toi t'y vas? Oh petit petit headshot. Écoute, on fait des jolis petits headshots It was dead. Ah, stylé. En élève, pouf souffle. À me faire un petit Wingardium Leviosa, je vais me retrouver à voler au-dessus du Guild Day, ça va être stylé. Orion, le drone vivant. Ah, le salaud. Ouais, tu m'étonnes. Eh ouais, la vie n'est jamais de tout repos. Joli score, nice. Il y a une bonne synergie, je trouve, là dans la team. C'est assez cool. C'est quand on a Nif? Mais j'aurai 29 ans. Waouh, bientôt la trentaine. Je me rappelle plus comment on répare moi là. Oh là là, oh je vais me faire éclater. Ouais, c'était sûr.
Donc demain, du coup, je lancerai le live à 19h pour que vous puissiez récupérer votre, votre accès bêta. Oh là là, putain, Bob, il est violent. T'as Candy, il est taqué sur les kills. Ah, mais c'est, oui, d'accord. Après 30 ans, on le vit bien. Moi, j'en ai 36, je le vis très bien. C'est juste des chiffres sur une carte d'identité. Et les gens, pour pas te rassurer, ils disent « Ouais, c'est juste que tu te rapproches du cimetière. » On m'a sorti ça quand j'ai eu mes 36 ans. Un pote, en plus. Il me fait « Bah, tu te rapproches un peu plus du cimetière. » Je fais « Oh, enfoiré. » Oh putain. C'est un nouveau mode ça, pour le coup. J'ai pas tout compris. Je pense qu'on doit aller le plus loin. Ah bah non, ouais tiens tu vois. Je veux Nicolas Orchestra, Liberté Musique sur le thème de God, Seigneur des Anneaux, mon canal d'Anif. Oh stylé. Bah t'as raison, fais-toi plaisir. Voilà, your mom. Voilà, regardez les... Alors vous le voyez pas parce que je le masque le chat. Les mecs sont ultra cancer sur le jeu. Your mom. Voilà ce que dit le mec. Donc même sur une bêta, les gens savent pas se tenir. C'est impressionnant. Impressionnant. Doudoudou, doudou. Non, je vais faire une capture. Hop. Accès en cours à l'observatoire Gibraltar. Ok. On va rester avec lui, hein. Ça se passait bien avec lui. Ça va du coup la qualité du stream? Parce que c'est vrai que sur le premier Overwatch, j'avais des petits soucis à le streamer. Je sais pas pourquoi. Tout tournait bien, c'est juste que quand ça passait sur Twitch, c'était pas fou. Ouais. Ouais, bah faudrait que j'ai le temps de faire ce genre de choses. C'est vrai que ce serait cool.
Allez. Il faut qu'on reprenne les réflexes. Les vieux réflexes ont la vie dure. Bon, je fais le con là. Ah, le bâtard, il m'éclate. Ah, j'en ai éclaté un. Je sais pas en quoi je le stream là, je crois que je suis en 900... Ouais, je suis en 936, pour que tout le monde puisse le voir. Je suis pas en full, full parce que sinon... Bah, je vais repasser en 1080p vu que ça change pas la donne sur les viewers. J'ai très peu de gens qui se plaignent quand c'est en 1080p donc... Ah, GG, oh nice, ils ont géré. Putain. Ils sont forts en face là. Moteur graphique, il y a certaines aptitudes, des modes de jeu. Là après c'est une bêta, t'as pas le mode solo. T'as juste le mode PVP. Mais il y a un mode solo maintenant sur Overwatch 2. La refonte des persos. Bah, tu le vois hein, au niveau des graphismes, c'est beau, c'est un peu plus joli. Oh, le tout pour le tout, de toute façon là fallait mettre du dégât. Après c'est pas transcendant en fait, y a pas, c'est pas, ils ont pas changé, de toute façon c'est très compliqué d'innover sur un jeu comme ça. Hein. Voilà, à part innover graphiquement, rajouter des modes, rajouter des, enfin, tu peux pas faire non plus grand chose. Sinon tu perds justement l'âme du jeu. Ah ouais, t'as vu le décrocher ? Ah ouais, j'ai joué pendant un bon moment sur le premier. Moins que certains potes, j'ai des potes qui jouaient qu'à ça, donc ils sont montés très très haut. Mais ouais, j'ai eu une grosse période où je ne jouais qu'à ça. C'était Overwatch, Overwatch, Overwatch. J'alternais Overwatch, World of Warcraft. Ah putain, j'aurais pu claquer mon ulti, les foutre au sol. Moi je vais avoir, je sais pas combien, je vais avoir peut-être 600 heures, 700 heures sur... non, plus que ça. Je crois que j'ai dépassé les 1000 heures hein, sur Overwatch. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, donc... Ah putain. J'ai bien joué le coup du snipe hein. Franchement c'était joliment joué. Après c'est vrai que tu vois sur je vais dodo gros jeu. Ouais bah moi je vais couper le live de toute façon. Ouais c'était cool de tester ça. De toute façon demain je relance le live sur les coups de 19h histoire que vous puissiez récupérer aussi la bêta. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi. Donc voilà, bah merci à ceux qui sont passés sur le live. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, n'oubliez pas que nous aurons toujours besoin de héros. Ciao !